Regardez Allo Docteur avec Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle, en harmonie avec votre santé. Merci d'être resté avec nous pour Allo Docteur. En France, chaque année, près de 120 000 personnes sont victimes d'un infarctus. Près d'un tiers d'entre elles décèdent. Et aujourd'hui, la prévention des risques cardiovasculaires permet de réduire ces accidents cardiaques. Mais s'ils surviennent, la récupération peut s'avérer longue et complexe. Après l'infarctus, le malade est exposé à un risque accru de complications cardiovasculaires. La mortalité du malade est proche de 10% l'année qui suit l'infarctus et puis de 5% les années suivantes. Il faut donc rester vigilant pour éviter les récidives. Comment le cœur récupère-t-il après un infarctus? Faut-il modifier son alimentation? L'activité physique est-elle recommandée? Comment surmonter l'angoisse d'une rechute? Un cardiologue va évidemment répondre à toutes vos questions. Mais d'abord, on va faire un petit peu d'anatomie. On va vous rappeler, mais vous le savez évidemment, que le cœur, c'est essentiellement un muscle qu'on appelle le myocarde. Son rôle, c'est de se contracter évidemment pour propulser le sang dans l'organisme au rythme des battements cardiaques. Alors pour vous donner une idée, en une vie, le cœur bat 3 milliards de fois et pompe 250 millions de litres de sang. Donc ce muscle, évidemment, il a besoin d'énergie, de l'oxygène et des nutriments. Et c'est pour cette raison qu'il est traversé par des vaisseaux qu'on appelle les coronaires. Vous les voyez très bien ici. Voilà, ça c'est coronaire, qui naissent de l'aorte et qui se ramifient pour former des petits capillaires qui vont permettre de nourrir l'ensemble du muscle. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un vaisseau est porteur d'une plaque d'athérosclérose, par exemple? Vous voyez ici, il peut y avoir une fissuration de cette plaque, des plaquettes, des globules vont venir s'accumuler, s'agréger et vont finir par former un caillot qui va boucher ce vaisseau, cette artère coronaire. Le résultat, c'est que, bien évidemment, en aval, il n'y a plus d'irrigation. Le muscle, le myocarde, va souffrir, il va nécroser. Ça envoie des influx au cerveau et ça donne des douleurs. Une douleur dans la poitrine qui irradie souvent dans le bras gauche, parfois dans la mâchoire. Quand 40% du tissu myocardique du cœur est touché, il peut y avoir un arrêt cardiaque. Et puis, quand ce sont des petites zones qui sont nécrosées, eh bien le siège de cette nécrose va laisser une petite cicatrice. Vous voyez ici une coupe de cœur, ça c'est bien sûr après une autopsie. Vous voyez par exemple ici ces zones un peu noires, eh bien c'est la paroi du muscle qui a souffert. Et puis la capacité à se contracter va être plus faible. Dans 30% des cas, on remarque qu'au bout d'un an, le ventricule gauche, vous voyez ici, on a coupé ici le cœur, vous avez le ventricule droit, le ventricule gauche, vous voyez ce ventricule gauche qui est très nettement dilaté pour compenser en fait la perte d'efficacité du myocarde, son incapacité à se contracter suffisamment. Et dans ce cas-là, une insuffisance cardiaque peut survenir, ce qui va donner un essoufflement et des œdèmes entre autres. Alors, on s'en doute, la surveillance médicale à long terme est indispensable. La personne doit prendre plusieurs types de médicaments qui visent à prévenir la récidive et à contrôler les facteurs de risque. Et puis, il y a des mesures d'hygiène de vie et une réadaptation à l'effort. On va parler de tout ça avec nos invités, le professeur Gérard Helft. Bonjour. Bonjour. Cardiologue à l'Institut de cardiologie du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière à Paris. Et puis on accueille Isabelle Dalloz. Bonjour. Bonjour. Alors, vous n'avez pas tout à fait ni le physique ni l'âge des victimes d'infarctus, et pourtant ça a commencé, vous aviez 38 ans. C'est exact, 38 ans, en juin 2009, et pendant une journée complète, j'ai vécu avec une douleur à la poitrine. Sans penser du tout que ça pouvait être un infarctus. Surtout pas, oui. J'avais aucun antécédent, aucun facteur, je fume pas, je bois pas, je me drogue pas, je fais du sport, tout était équilibré, tout était cadré. Et puis cette douleur en fait, que j'avais un peu assimilée à une douleur gastrique, une remontée. Remontée acide, ouais. Remontée acide, en disant, balèze quand même celle-ci. Et finalement, évacuation aux urgences. Et puis là, on me dit. À l'IRM, on a fait le diagnostic. À l'IRM, il y a eu le diagnostic que le cœur avait été nécrosé. Donc, Alors, vous dites que vous n'avez aucun facteur de risque, si ce n'est que vous viviez quand même un peu stressé. Je vivais en stress, mais sans en avoir conscience. Mais un peu stress permanent, quand même. Stress permanent, mais c'était. Il n'y a pas de pain ce soir pour dîner, quoi. Enfin, je me mettais moi-même la pression. C'est ça, pour des choses pas. Complètement vital. Ouais. Mais vous aviez quand même, vous étiez, c'est votre activité professionnelle qui vous surchargeait? Pas plus. Je me mettais la pression en fait pour faire bien. Toujours pour faire bien. L'éducation, le travail, la maison. Il fallait tout faire parfaitement. Wonder Woman, quoi. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut que je lève le pied un peu. Ouais.
Non, non, c'est vrai. Bien sûr. Vous me faites penser que je me donne trop, moi. Non, c'est, parce qu'après, ça peut si on ne parlait pas de vous tout de suite, ça non, serait bien. Suite. On va peut-être continuer avec Isabelle. Non, mais ça m'inquiète, mieux. Là, de l'entendre. On vous invitera, parler. Si vous voulez, prochaine émission. Avant. Alors, vous avez été suivie comment après un infarctus? Est-ce que vous avez eu des médicaments, hygiène de vie? Alors, j'ai eu beaucoup de médicaments, puisqu'en fait, la cause n'a pas été trouvée. Je n'ai pas été opérée, je n'ai pas eu de stent, rien. Et on m'avait dit, faites de la sophrologie. Ok, bon élève, je fais de la sophrologie, je participe à des cours, mais je ne vis pas ce que c'est. Et vous avez fait aussi de la réadaptation cardiaque? J'ai fait beaucoup de réadaptation cardiaque, je fais du vélo, du kiné, donc bien encadré, deux fois par semaine. J'ai repris mon activité professionnelle en me disant, bon, j'ai raté une première fois, je me mets à fond dans le sport. On verra que ça n'a pas suffi, mais vous avez aussi modifié votre alimentation, vous aviez une alimentation saine de toute façon. J'avais déjà une alimentation équilibrée, donc je me suis dit, ce qui manquait c'était le sport, j'en faisais pas D'accord. assez, donc je fais à fond. On va rester encore sur l'alimentation, on nous demande quel régime alimentaire il faut suivre après un infarctus. Après un infarctus, on essaye d'éviter les graisses saturées, on essaye aussi d'éviter d'avoir un excès de sel, mais globalement l'alimentation normale est possible. On précise que les graisses saturées, c'est tout ce qui fige dans l'assiette, c'est ça à peu près? Absolument. Voilà. C'est ce qu'on demandait de préciser, c'est ça. Y a-t-il des choses à éviter quand on a fait un infarctus, un premier infarctus dans la vie quotidienne? Le stress, par exemple, puisqu'on en parlait avec vous. Effectivement, le stress fait partie des facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a des facteurs de risque cardiovasculaire bien connus que madame n'avait pas, l'hypertension artérielle, l'excès de cholestérol, le tabac. Mais le stress est un vrai facteur de risque cardiovasculaire. Est-ce que ça peut être le seul? Parce que là, manifestement, il n'y avait que ça. Hein. Tout le reste était négatif. Il n'y avait que ce facteur stress. Ça peut suffire à lui tout seul ou il faut une prédisposition? Alors, c'est une question difficile. Dans plus de 90% des cas, on trouve un facteur de risque cardiovasculaire qu'on met en évidence. Et dans moins de 10% des cas, en fait, on n'en trouve pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas. Et souvent, dans ces cas, le stress est un facteur prédisposant, déclenchant, très important. Christiane demande si une même personne peut faire plusieurs infarctus. Oui, Isabelle. Bingo. Combien de temps après le deuxième? 9 mois après. Oui. 9 mois après, en fait. 7 mois après le premier, je me suis fait la réflexion, tiens, j'ai retrouvé ma vie d'avant. Et quelques semaines après... La vie quoi, de stress? Non, c'était, j'ai retrouvé mon rythme, j'ai retrouvé tout ce que je faisais, j'ai vraiment retrouvé les sensations, l'activité. Le boulot, tout, c'est bon, j'ai tout retrouvé. Et puis, je m'étais investie dans une manif contre une antenne relais, la manif allait se monter, et le vendredi soir, veille de la manif, paf, douleur. La même. La même, mais là, je me suis dit, la remontée acide, elle est encore plus forte, celle-là. Hein. Et finalement, mon mari il y a un moment, la douleur est la même que la première, en plus forte, vous vous dites quand même, c'est peut-être une récidive ou pas? Non, j'ai pas envie. Oui, ça, on comprend. J'ai pas envie, c'est et sûr. En fait, j'avais toujours des problèmes d'acidité, hein, qui étaient toujours là, c'était latent, ça remontait. Et du coup, mon mari me dit, bon, on appelle pompier SAMU, et là, diagnostic du SAMU, vous faites un infarctus. Donc là, c'était colère, quoi. Je dis, merde, avec tout ce que j'ai fait, exprès, vous avez engueulé les pompiers, en fait. Ouais, j'étais quand même... C'est pas possible. Non, j'avais une colère contre moi. On va quand même revenir sur votre histoire, parce que c'est quand même assez étonnant. Mais sinon, faire plusieurs infarctus, à partir du moment où les facteurs de risque perdurent, il n'y a pas de raison de ne pas en refaire, hein, si on ne corrige pas tous ces facteurs de risque, par exemple. L'idée, c'est de diminuer les facteurs de risque cardiovasculaires. On a bien démontré qu'en arrêtant le tabac, on diminuait nettement le risque de faire une récidive, en traitant l'hypertension artérielle, en traitant l'excès de cholestérol. Il y a toujours un risque résiduel qui existe, et malheureusement, comme vous le disiez en préambule, dans un certain pourcentage de cas, on peut refaire un infarctus du myocarde, et c'est ce qu'on cherche à éviter avec les médicaments, comme je le disais, et aussi avec toute la réadaptation cardiaque et toutes les mesures hygiéno-diététiques. Juste dans le cas d'Isabelle, ce qu'on a compris, c'est que vous faisiez des spasmes, que vos coronaires spasmaient, c'est ça? C'est ça. Ça se fermait, comme un interrupteur, en fait. Ça, c'est le stress, essentiellement, qui déclenche ça? Alors, le spasme... Dans 9 cas sur 10, c'est l'athérosclérose qui entraîne l'infarctus, donc c'est un dépôt de cholestérol, comme vous l'avez montré. Et puis, il y a d'autres causes très rares. Le spasme en est une, et le spasme a une physiopathologie complexe, c'est mais le stress... L'encore de Prinz métal, c'est ça? C'est exactement ça. L'artère, c'est élastique, et elle peut se fermer. C'est très rare, et malheureusement, ça arrive. Et le stress a un rôle assez important. Pendant la Coupe du monde de football en 2006, on a montré qu'il y avait un excès d'infarctus, qu'il y avait plus d'infarctus en Allemagne lorsque l'équipe d'Allemagne jouait. Donc clairement, le stress augmente le risque d'infarctus. Mais pas la bière. Alors la bière, c'est une question plus difficile. La bière n'est pas un facteur de risque classique d'infarctus. Néanmoins, l'excès de bière n'est peut-être pas...
Faire du sport est-il recommandé après un infarctus, nous demande Charlotte. Eh bien, outre le traitement, la réadaptation du muscle cardiaque, on l'a vu, est indispensable. Les patients doivent donc s'astreindre à des séances de sport d'endurance. Et bien souvent, on fait pédaler sur un vélo. Aujourd'hui, une approche plus ludique et conviviale est proposée, c'est la pratique du tango. Cette danse sensuelle requiert de la souplesse, de la coordination et du souffle. Reportage à l'hôpital Corentin-Celton d'Issy-les-Moulineaux, en banlieue parisienne, Mélanie Morin et Mathieu Vibon. Est-ce que vous savez comment on dit le cœur en espagnol, en argentin ? Corazón. Corazón. J'ai choisi quelques musiques aujourd'hui pour vous, où il y a justement, voilà, el corazón. Le cœur bat au rythme de la musique avec passion, mais travaille sérieusement. Une fois par semaine, ce service de réadaptation cardiaque prend des airs de bal argentin, car le tango est ici un outil thérapeutique appelé cardio-tango. Le cardio-tango, c'est une activité avec des patients de l'hôpital qui sont opérés et qui ont besoin de faire une réadaptation cardiaque. On a la chance d'avoir une danse qui donne une connexion entre deux êtres, et cette connexion-là passe par la respiration. Respirez amplement et sentez la respiration de votre partenaire. J'aimerais bien vous entendre respirer tout au long de la danse. Hein, essayez de garder ça en mémoire. Nous essayons en effet de faire un travail global, donc aussi bien sur la posture que sur la respiration, que sur la cohérence cardiaque, donc quand souffle et cœur s'accordent, tout en gardant donc à l'esprit une présentation ludique, donc une approche vraiment simple, naturelle et musicale. Certains patients de l'atelier récupèrent d'un infarctus et doivent obligatoirement réentraîner leur cœur à l'effort. Le tango sollicite le muscle cardiaque et permet d'augmenter le flux sanguin, testé et approuvé par la chef de service. Les patients qui ont fait un infarctus, ils ont des endothéliums, c'est-à-dire la paroi la plus interne de l'artère, qui est malade. Grâce à un entraînement régulier, eh bien, on aura les effets bénéfiques du flux sanguin qui passe sur cet endothélium et qui donc permet une dilatation des artères et d'autre part une réparation de l'endothélium malade. Cette réparation du cœur lésé par l'infarctus nécessite une pratique régulière. André ne manque jamais sa séance de tango et s'est bien remis de son double pontage. Je me sens très bien. À part les douleurs thoraciques, ce qui est normal puisque le thorax a donc été scié, mais sinon, ça va très très bien. Qu'est-ce que vous pensez du tango comme outil de rééducation cardiaque ? Qu'est-ce que vous pensez de cette activité ? Ah, c'est une approche qui est très bien, hein. C'est un complément de la gymnastique du matin. Non, c'est très très bien. Alain est du même avis et compte bien continuer le tango pour développer son endurance. Oui, j'ai encore du mal, je suis vite essoufflé. Non pas, je pense, par mon cœur, mais par les médicaments qu'on m'a donnés qui brident le cœur. Je préfère nettement le tango que les cours du matin où on nous fait des choses bien difficiles. Bon, ensuite, le vélo ou le tapis, c'est sympa, mais les cours de gym avant, c'est dur. Bravo le tango. Et bravo aux patients qui ne ménagent pas leurs efforts pour suivre le rythme des professeurs. Pour récupérer après un infarctus, le maître mot, c'est la régularité. 30 minutes d'activité physique par jour favorisent le bon rétablissement du cœur. Ah, eux, ils dansent. Voilà, et sachez que l'association Bel Tango, vu dans le reportage, recherche des mécènes pour lancer un programme de recherche médicale en mesurant l'activité cardiaque des pratiquants lors des cours de tango. Pour en savoir plus, il y a un site, beltango.fr. Voilà. Isabelle, donc, avant ce deuxième infarctus, vous aviez fait du sport, donc vous disiez que c'était le truc important. Voilà. Quel sport vous avez décidé de... J'ai été partie pour faire de la natation, donc toutes les semaines, je nageais 1 km en piscine, et puis du vélo, 2 fois par semaine, au moins 1/2 heure, en rééducation cardiaque. Donc, en dehors du tango, vélo, natation, c'est ce qu'on marche, c'est ce qu'on fait de mieux ? C'est parfait, oui. On préconise les sports d'endurance. Vélo, natation, jogging, c'est bien sûr beaucoup mieux que les sports avec à-coups comme le tennis, le football. Tout ce qui est démarrage brut, toutes ces choses-là. Il faut éviter les démarrages brutaux, bien sûr. Ouais. Mais alors, justement, on a vu tout à l'heure sur les images qu'il y avait une cicatrice qui se formait à l'endroit de la nécrose, hein, là ouais. où s'est fait l'infarctus. Comment le cœur compense cette partie du muscle qui est... C'est comme si on avait une cicatrice sur le muscle de la cuisse,
et qu'on veuille courir. Oui. En fait, heureusement, les cicatrices sont relativement petites et heureusement, pour assurer un débit cardiaque suffisant, le cœur peut le faire, même si on a fait un voire deux infarctus. C'est la raison pour laquelle on ne fait plus de la compétition, mais on peut parfaitement mener une vie normale si on a fait un infarctus standard, je dirais. Et vous, vous sentez que le cœur est plus faible, qu'il vous parle ? Qu'il va bien. Il va bien. Ouais. Il va bien. Il y a juste la pointe en fait du cœur. La pointe est nécrosée. Qui n'est pas la partie la plus indispensable. Non, en général, c'est la partie distale, c'est l'apex. On peut parfaitement vivre tout à fait normalement en ayant fait un petit infarctus apical, comme on dit. On prend encore quelques questions, puis on en reparle. Mon mari doit-il parler de son infarctus à son futur employeur, à la médecine du travail ? Est-ce que ça n'est pas un frein à une embauche ? Je pense qu'il peut en parler au médecin du travail. Si on n'a pas fait un infarctus étendu, ça ne doit pas être un frein, absolument pas. Les médecins du travail, le secret médical s'applique aussi à eux, on le rappelle, absolument. Ils n'ont pas à donner d'informations à l'employeur. Un malade considéré comme guéri après un grave infarctus risque-t-il d'en avoir une nouvelle fois ? Alors, la première fois, on vous a dit que vous étiez guéri ou pas ? La première fois, on m'a dit, on ne sait pas ce que vous avez fait, c'est peut-être de la dissection coronaire. Alors, dissection, c'est quand la paroi de l'artère s'ouvre, un peu comme dans un livre, et que le sang passe entre les deux. Sur la coronaire, c'est moins grave, sur l'aorte, ça peut être dramatique. Donc, on m'a laissé, je suis restée 7 mois avec cette hypothèse-là. Voilà, donc, je n'ai jamais su ce que j'avais fait. On m'avait dit, si vous faites du sport, si vous rééquilibrez tout, c'est bon, ça devrait aller, quoi. Parce que le problème de ces spasmes coronariens, c'est qu'il faut tomber dessus au moment où ça spasme. Pour avoir le diagnostic certain, oui. Le reste du temps, les coronaires sont normales, en fait. Absolument. On ne voit rien. Mais d'une part, on a des médicaments contre le spasme, voilà. Et puis on essaye de gérer le stress, comme vous l'avez fait avec succès. Alors voilà, justement, ce que vous avez adopté après le deuxième, voilà. C'est la sophrologie. Ben voilà. Du coup, le deuxième a vraiment provoqué une remise en question complète. Hein, parce que je me suis dit, deux, mais pas trois, quoi. Mm-hmm. C'est bon. Et là, je suis allée voir la sophrologue, que je remercie vraiment, parce qu'elle m'a vraiment permis de sortir de ça. En disant, mais j'ai peut-être raté quelque chose dans la séance. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment prendre conscience, en fait, que je pouvais apaiser mon cœur, donc avec la cohérence cardiaque, hein, je peux le calmer, je peux m'apaiser. Et le principe de la sophrologie dynamique, c'est vraiment d'aller activer ces sensations et puis de pouvoir amplifier ou calmer en fonction de ce qui se passe. Donc finalement, c'est être à l'écoute de son corps. Mm-hmm. Ce que j'entendais dans la rubrique qui est passée avant, hein, être à l'écoute de son corps. Et c'est ce que je faisais pas. Et finalement, en un mois de temps, mes douleurs acides, et pourtant, ils avaient chargé avec antiplaquettaire, fluidifiant après le deuxième infarctus. Et tout ça s'est calmé. Ça s'est calmé tout seul. Bien sûr, vous avez continué le traitement. Ça bien sûr. Bien sûr. C'est quoi cette cohérence cardiaque ? En fait, c'est un terme de sophrologie. Enfin, toutes les méthodes de relaxation sont bonnes à prendre. Certaines sont plus adaptées que d'autres en fonction de l'individu. Je crois qu'il faut essayer de trouver la sienne. Il faut trouver la technique qui va bien. J'ai essayé le Qigong, j'ai essayé le Tai Chi. C'est la sophrologie dynamique qui a correspondu vraiment à ce dont j'avais besoin pour vivre, en fait. J'ai fait un infarctus, je suis très angoissée à l'idée de faire une récidive. J'hésite à consulter un psy, qu'en pensez-vous ? C'est vrai que les patients qui ont subi un infarctus craignent souvent de faire un nouvel accident cardiaque et vivent dans l'angoisse. Ils peuvent également se sentir perdus face aux nouvelles habitudes à prendre, traitements, activités physiques, nouvelles règles alimentaires. Le recours à un psychologue permet souvent de mettre des mots sur cette anxiété latente. Mélanie Morin et Mathieu Vibault ont suivi un patient en consultation. Jean-François vit à 100 à l'heure, mais ce publicitaire hyperactif et sportif invétéré a calmé le jeu depuis son infarctus survenu l'année dernière. Aujourd'hui, il rencontre une psychologue de l'hôpital où il a été suivi pour revenir sur cet événement des plus déroutants. Installez-vous. Mon infarctus, je ne l'ai pas ressenti du tout. Je suis parti au sport d'hiver, j'ai skié et j'ai rien ressenti, mais j'avais rendez-vous après ma semaine de vacances chez le cardiologue. Et là, arrivant chez le cardiologue, il me fait uniquement un électrocardiogramme et il s'avère qu'il me dit « il faut vite vous transporter à l'hôpital, vous avez l'artère principale qui est bouchée ». Non seulement cet infarctus invisible m'a fait très peur, et j'ai toujours peur, parce que je sais qu'il est toujours caché quelque part. Il y a un moment où il peut ressortir, je sais pas quoi. C'est le côté de ne pas avoir ressenti, je crois que c'est, pour moi, avec le recul, c'est pire que tout. Chez le patient qui vient de vivre un infarctus, évidemment, il y a un gros lot d'angoisse qui arrive à ce moment-là. Donc,
l'angoisse de mort aussi, tout simplement, qui peut arriver à ce moment-là. Et c'est après tout un cortège d'angoisses qui vont être aussi sur l'avenir, sur comment va se passer la suite, sur le risque de récidive aussi. J'ai des gens une angoisse qui s'ajoute à l'obligation pour les patients de modifier leurs habitudes de vie. Il y a beaucoup de choses. Pour ma vie professionnelle, j'ai carrément calmé le jeu, oui. Je travaille pas moins, mais différemment. Et dès que j'en ai marre, je m'en vais, quoi. Puis j'ai mis des gens à ma place. Je pensais que j'étais irremplaçable, et en fait, on me remplace très très bien. Et ça, je pense qu'il faut le savoir, voilà, on n'est pas irremplaçable. Et vous n'allez plus au sport pour vous épuiser ? Non, je boxe plus, je fais plus de sport de fou. Je fais de la course à pied, je fais du vélo, je fais du roller. Mais rien de plus, je fais normalement. Je ne me bats pas contre moi-même, quoi. Oui. Si ça ne s'était pas déclaré. Si pour Jean-François, ce changement de vie est apparu comme une évidence, cela n'est pas toujours le cas pour les patients victimes d'accidents cardiaques. Vous êtes passé à ça. L'infarctus peut conduire à ce qu'on appelle le stress post-traumatique, c'est-à-dire le moment où il n'y a plus du tout de ressources psychologiques internes. C'est-à-dire tout se bloque, tout s'arrête à ce moment-là. Les projets sont impossibles à faire. La vie s'arrête là. Pour certains, les efforts à fournir pour changer le mode de vie sont tels que le fait d'envisager la suite est rendu très très compliqué et très frustrant. Vous allez inspirer très amplement. Outre l'écoute de la psychologue, pour atténuer l'angoisse de ses patients, le recours à la relaxation s'avère généralement efficace. Vous sentez votre corps qui s'enfonce dans le matelas. La relaxation a des vertus pour tout le monde de toute façon, mais particulièrement pour les patients qui sont atteints de pathologies cardiovasculaires et qui ont, on va dire, un facteur de risque lié au stress. Le but est vraiment de s'approprier cette technique pour soi. Ouvrez les yeux progressivement à votre rythme. Je suis passé à une autre vitesse de vie. Parce que je me dis, si je peux gagner encore, voir mes petits-enfants, mes enfants grandir, ce serait pas mal. Jean-François mène aujourd'hui une vie plus saine et plus sereine. Si l'infarctus est derrière lui, il reste néanmoins vigilant et passe régulièrement des examens cardiaques. Au revoir. D'accord. On nous demande si le fait d'être un homme ou une femme, est-ce que ça a une influence sur la récupération ou sur la prise en charge après un infarctus ? Sur la récupération, je ne crois pas. Sur la prise en charge, peut-être que les femmes sont un peu plus attentives et un peu moins dans le déni, de temps en temps. Mais vous, ça ne change pas les conseils que vous donnez? Non, la prise en charge secondaire, comme on dit, est strictement la même. Et est-ce qu'il y a un moment, éventuellement, on peut arrêter les traitements, on peut considérer qu'il n'y a plus de risque de récidive ou jamais? Le risque, il diminue de façon importante au fil des ans, mais dire qu'il atteint zéro, on ne sait pas, même si c'est vrai, donc on ne le dit pas. D'accord. Vous êtes fatigué de temps en temps ou non. Plus qu'avant? Non, pas plus qu'avant. Pas d'angoisse du troisième infarctus, pas de... J'ai eu une période d'angoisse, de peur que ça revienne, où j'ai eu ce syndrome du post-traumatique. Mais voilà. Avec la sophrologie. Sophrologie et technique de mouvement oculaire. Vous êtes devenue formatrice en sophrologie. J'ai fait 2 ans de formation et je suis sophrologue depuis le mois de juin. Donc maintenant, j'anime mes séances. Et je travaille. Des gens qui font des infarctus? Pas encore. Je travaille avec mon cardiologue pour développer ça au niveau de son centre de rééducation cardiaque. Puisque ça pourrait marcher pour d'autres aussi. Ouais. Et puis j'ai un cours collectif près de chez moi. Et la fatigue, c'est inhérent à l'infarctus ou pas? Est-ce que c'est logique d'être fatigué après un infarctus? C'est toujours difficile de faire la part des choses. Il y a une fatigue initiale qui est un mélange entre les séquelles de l'infarctus et un peu l'asthénie psychologique, la fatigue psychologique. Au fil des mois, en général, la fatigue disparaît presque toujours. Alors si vous voulez en savoir plus, il y a un site internet de la Fédération de cardiologie, www.fedecardio.com. Comme avec beaucoup de conseils et d'explications. Merci beaucoup d'être venu. Un appel, demain, on parlera de la dépression. On verra quelles sont les clés pour s'en sortir. Et puis, un appel à témoins, Michel. Vous êtes atteint d'un cancer du foie. Vous avez subi plusieurs traitements, la chimiothérapie, l'ablation chirurgicale de la tumeur, voire une greffe de foie. Venez sur notre plateau pour nous raconter votre parcours. Merci de nous contacter au 01 58 88 85 21. Je vous rappellerai également que demain soir, nous sommes également en direct. Vous allez me dire, Michel ? Vous me l'avez enlevé de la bouche. C'est pas grave. Demain, 13h40 et 20h40. À demain. Très bon après-midi, à demain. Plus d'infos santé dans Allo Docteur sur France 5.fr.
C'était Allo Docteur avec Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle, en harmonie avec votre santé.